بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكل متابعي ومتابعة قناة الاستاذ خالد الناجي كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير دائما مع لي كور ديال ميكانيك دو دي بوان ماتيريال اليوم غنقدم لكم ان اكزاما بروبوزي اللي هو الاكزاما نيميرو 1 اللي كيشمل على الدروس اللي شفنا جوسك مانتونو يعني لا بارتي سينيماتيك و لا بارتي ديناميك ما تنساوش ديروا ابوني للقناه ديالنا الناجي خالد سيونس ممكن تتابعونا في صفحه الفيسبوك بروف ناجي خالد Alors, on commence l'exercice ou l'examen. Donc, l'examen proposé, soit rg d'origine O en repère et de, de vecteur I, J, K en repère galiléen. Le repère galiléen est I vers le bas, ouma, J vers la droite et K perpendiculaire. Là, on a K perpendiculaire à la feuille à l'écran. Et puis, un nano de masse M assimilable à un point matériel. d'avoir le point matériel de masse et à à se déplacer sans frottement sur un demi-cercle C de rayon A et de centre O. Il y en a le point M se, se déplace à la demi-cercle de rayon. a de rayon A et de centre O. C'est-à-dire que OM est égal à A. Cet anneau est fixé par un point A à un point A par un ressort. De rideur K et de, longueur, et de longueur L. On repère l'anneau M par l'angle IOM. I, le vecteur IOM, les varient, il y a θ de T qui varie, avec θ varie de moins π sur 2 jusqu'à P sur 2. Il y a, deux, deux, il y a le point M, qui est le point moins –P sur 2, se déplace jusqu'à π sur 2, jusqu'à le point. Donc, on de le point jusqu'à le point. On désigne par U le vecteur unitaire de OM. Il y en a le vecteur unitaire de OM ou à U. Et par V, le vecteur perpendiculaire à la I. Et, déduit de U par rotation dial pi sur 2. Il y en a perpendiculaire à la, à, la, à la U autour de, de K. Il y a la base UVK k est une base orthonormée directe. Le, le mouvement de M a lieu dans le plan X. Oui, Y, On est à L'anneau est soumis à l'action suivante. Euh, l'action des no ressort, Les coefficients de la chiquetalité égal k facteur. Le module dial ma moins l la longueur initiale fois ma le vecteur ma la le le module dial ma c'est-à-dire selon le vecteur unitaire ma sur le module dial ma. Tout La réaction dial C, La réaction dial. Il y cercle, le point M, qui est R selon U. Le mouvement, le mouvement il est sans frottement, c'est-à-dire perpendiculaire. Perpendiculaire, à la V, la raconte tangente à chaque fois le, le mouvement. Le poids, le P est égal à MG selon le vecteur unitaire I. Il y a un point vers le bas Donc on pose OM est égal à la distance A. Et un rayon, le rayon, il y a rayon, le rayon à la cercle. Et OA est égal à a. Il y en a de OA et la distance OA est égal à la distance OM. Donc, tout le problème, A et K et L sont des constantes positives. La première question, exprimer le vecteur MA dans la base UV. On déduire MA en fonction de A et de θ sur 2. Donc, on m'a donné l'expression de T dans la base UV. Il y a T il y a l'action des ressorts. Comment exprimer l'énergie potentielle EP en fonction de dans dont dérive la résultante des forces appliquées M dans le repère Galélien? Comment quatrièmement dans cette question se passe dans le cas particulier où L est égale racine de trois facteurs de A moins Mg sur K avec A supérieur à Mg à la K. En utilisant la question précédente, il y a la question de l'énergie potentielle, Montrer qu'il existe trois positions d'équilibre. Il y en a les positions d'équilibre. Que on précisera clairement. Thomas, quelle est la nature de, chaque, de chacun de ces trois équilibres Il y a un OH équilibre stable ou instable. Et finalement, la, la question 6, écrire l'intégrale première d'énergie l'énergie, cest l'énergie mécanique, en déduire l'équation différentielle qui relie entre θ seconde et θ. Thomas, on va retrouver 9, l'équation du mouvement différentiel à partir du théorème du moment cinétique. Et on va appliquer le théorème du moment cinétique. Alors Passons à la solution, la correction de l'exercice. La première question, déterminer, on va déterminer, on va déterminer le vecteur MA dans la base UV. Donc, on a donné la figure. C'est un Donc, on dit MA. On a, d'après la figure, on a MA. On va utiliser la relation de Charles qui est égale MO. MO plus OA. Or, MO est moins OM plus OA qui est égal à moins OM alors qu'on a CA selon le vecteur. U, c'est moins A, selon U, O A C, est, C est A. Ah, déjà je fais, fais l'exercice que O A il y a le rayon le même rayon de la cercle, mais selon moins I, c'est-à-dire moins A I. Maintenant on va exprimer I sur la base U V. Donc je trace ça I, il y a I, il est perpendiculaire à la J. Tout le monde, vecteur U, U, qui forme l'angle θ à I, et bien sûr à ce qu'on V, qui est perpendiculaire, perpendiculaire à la U, qui est égal à moins A selon U, tout le moins A facteur. Donc I, l de là, la projection à la U, bien angle l'angle c'est-à-dire cosinus, c'est cosinus θ selon... Cosinus theta selon U. Tout le selon V, alors, bien sûr, moins, il y a un sens opposé. Donc, moins sinus de theta selon V. Finalement, MA, à quoi est égal Selon U, on a moins A. Moins A cosinus cosinus theta selon U. On a avec parenthèse moins c'est-à-dire plus a sinus de theta selon v donc je peux factoriser ici par a finalement le résultat final de b ma également moins a facteur dial 1 plus cosinus de theta selon u plus a sinus de theta selon v il y a ma la suite de l'exercice, on déduire le module de en fonction de A et θ sur 2. Là faites attention à en θ sur 2. Donc le module est le vecteur. Le module DLMA qui est égal à racine DL, à l'expression au carré. C'est-à-dire directement si A au carré facteur dial 1 plus cos. De theta, le tout au carré. Bien sûr, le moins au carré, il un plus. Plus, à l'expression au carré, c'est-à-dire A au carré sinus sinus carré de theta. Maintenant, je développe. On cela a, a au carré. Plus A au carré cosinus. On a cosinus theta au carré. Plus A au carré fois l'identité remarquable deux fois donc deux cosinus de θ plus a au carré sinus carré de theta donc à l'expression à l'expression regardez on a, a au carré parce que je factorise par a au carré donc on a a au carré tout d'abord dit plus les deux expressions je factorise par a au carré regardez Cosinus carré de theta plus sinus carré de theta, plus 2 fois a au carré cosinus theta. égale okay, ça veut 1 égal à 1. Donc, on le module de l'MA toujours. On a a au carré plus a au carré plus 2 a au carré cosinus de theta. Là, il y a 2 2 a au carré plus 2 a au carré cosinus de theta c'est à dire a au carré je peux factoriser par a au carré auquel je vais à la racine à tous les a donc racine il y a, a au carré est égal à a fait le cas parce que a il est positif normalement on de la valeur absolue mais a est positif je peux factoriser par 2 on a 1 plus cos de theta. 1 plus cos de theta. Or, on sait que le cosinus de L2θ est égal à 2 cos carré de L3 moins 1. Donc, il a dit θ fois 4. Donc, cosinus de θ est égal à 2 fois le cosinus de L3 sur 2 moins 1. Donc regardons cosinus de l'autre co euh, côté, donc cosinus na au carré, donc cosinus de θ plus 1 est égal à 2 fois cos carré de θ sur 2. Donc à l'expression, le module DLMA est égal à a fois racine dl 2 fois A2 fois le cosinus carré dial sur 2 la racine dial 4 c 2 donc 2a racine dial cos carré dial sur 2 or à l'exercice bien le cosinus le θ varie moins pi sur 2 pi sur 2 c'est-à-dire il a dit cercle trigonométrique voilà cosinus l'axe cos. voilà l'axe des sinus. Et là quand θ varie, mais le moins pi sur 2, les hauts de point, moins pi sur 2, del pi sur 2. Donc de deviendra le cosinus, il est positif. Donc cosinus a de l'expression, a bien le cosinus de θ, il est strictement positif. Donc le module de MA, maintenant 2a cosinus de sur 2. On va avoir le résultat final. La question numéro 2, donnez l'expression T et l'action d'IL ressort à le point M dans la base UV. Deuxièmement, l'action T du ressort sur M dans la base UV. V. Donc, on a l'expression d'LT. Donc, on a l'expression d'LT. Avec, on voilà, a bien le module d'LMA. Le module d'LMA, et il y a 1, 2A, cosinus, c'est-à-dire 2. a cosinus cest sur 2 2 a cosinus, d'LMA. Theta sur 2. Et MA, alors qu'on a la question, la première question, c'est moins A facteur de 1 plus cosinus de Theta selon U plus A sinus de Theta selon V. Donc T, donc T, à t K facteur. Le module de MA, il y a deux A cosinus de theta sur deux moins l la longueur initiale d'un ressort fois m o, les moins a facteur de 1, plus cosinus de theta selon u plus a sinus de theta selon v Voilà le module les a deux a cosinus de theta sur 2. On a déjà montré que 1 plus cos theta, là, il y a l'expression, 1 plus cos theta, il y a 2 cos carré sur 2. Donc t. Donc t est égal k facteur dial 2a cosinus dial sur 2 moins L. Facteur dial moins A. Facteur. On a 1 a plus cos 1 plus cos theta, il y a 2 cos carré delta sur 2 donc c'est 2 cos carré delta sur 2 selon u à la dénominateur à 2a 2a cosinus delta sur 2 plus à a le même dénominateur 2a cos delta sur 2 là selon v tout le monde à il faut bien la sinus delta Mathématiquement, quand on va bien que sinus de 2θ est égal à 2 cosθ sinus de 2θ. Il a accepté sinus de 1 il faut que sinus de 1 soit 2. Cos 2 sur 2 fois sinus 2θ sur 2. Donc je mets ici fois 2 sinus de 2θ sur 2. Cosinus dièle theta sur 2. Alors, je simplifie par 2a ici. Tout le cosinus dièle theta sur 2. Tout le monde, de même ici, je simplifie par 2a. Tout le cosinus dièle theta sur 2. Finalement, on va T. Donc, T est égal à K. facteur dièle 2a cosinus de theta sur 2 moins L facteur dièle moins 1 cosinus dθ sur 2 selon u plus un aj simplifié par 1 maquinichette 1 le plus donc on a un moins donc plus sinus dθ sur 2 le reste qu'on a sinus dθ sur 2 selon le vecteur v pour avoir le résultat final dt la question 3 exprime l'énergie potentielle EP en fonction de θ dont dérive la résultante des forces appliquées à M le repère galiléen RJ. Et Et j'ai un là les forces qui sont appliquées à la le point M les l'action dial le ressort les déjà l'expression de la base U V la question la question 2 la réaction dial C dial cercle à la le point M et le poids de le point M, le roi Mg selon le vecteur unitaire I, comme l'énergie potentielle EP dans le repère RG. Le repère RG. Donc les forces, tout d'abord les forces, les forces appliquées et force appliquée sur m, On a le poids, le poids p qui est égal à m g selon le vecteur unitaire i, lequel vers le bas. On a la réaction, réaction du cercle C, elle est le poids les rois r, venant de chaque télé les r. Selon le vecteur U seulement. Okay, je cache la composante selon V parce que le mouvement sans frottement. Toma, euh, T, l'action du ressort, du ressort, le OA T est égal à l'expression. Nous avons a les forces d'inertie d'entraînement et forces d'inertie de Coriolis. Nous avons le repère galiléen, le repère absolu R. Maintenant, on va calculer la puissance de la force. Nous la puissance de P. Donc, on a un vecteur. Donc, la puissance de P est égal à P fois V de M dans le repère Rj. C'est la vitesse absolue. Donc, il a dit la donc on a OM je vais je vais tout d'abord vecteur position OM qui est égal à il y a le rayon de cercle selon le vecteur unitaire leia u donc je dérive d de OM sur d le t dans le repère R G est égal à c'est une constante u n'est pas une constante il y a u je fais la base de Rg. Donc, d de U sur d de T, la dérivée se fait par rapport à Rg. Donc, je vais vous la dérivée est un ordre de lancement. Chaque lancement, je vais vous I. y J. Entre les deux, il y a un vecteur U qui forme l'angle de ma I. V qui est pour perpendiculaire à la U. Donc la dérivée d'ILU sur D de T par rapport le repère, la base d'ILU IGK, c'est-à-dire le repère RG, est égale, à point, selon le vecteur perpendiculaire, lié à V. Donc, D de OM, V de M dans le repère RG n'est que A, c'est teta point V. Il, y a v, il y a à chaque fois fait le calcul de la puissance de les autres forces. Donc la puissance de P qui est égale à MJ selon le vecteur I. Selon le vecteur I, produit scalaire de la vitesse, il y a A, theta point selon V. Donc on doit exprimer à I à la base. Donc la base UV, donc I est égale. Déticana, la projection à la U rentre un cosinus de θ selon U. Là, le là, là, les les deux vecteurs forment l'angle θ binatum. Tout le monde, moi, les nades sont opposés. Moi, d'ailleurs, émané le oui. cas cosinus. L'autre, c'est sinus. Sinus θ selon V. Donc, finalement, la puissance de P est égale à Mg facteur de cosinus de θ selon moins sinus de theta selon v produit scalaire de a theta point v Le canal faut bien le produit scalaire u v athéna en 0 donc la puissance finalement dlp p athéna- moins m g a theta point sinus sinus de theta D'ailleurs, la puissance dlp p la, la puissance R. Et il y a par définition R scalaire V de M dans R. On a R, et il y a R U selon vecteur U scalaire DL. L'autre, c'est A ta point V. A ta point, point V. Donc U scalaire V, c'est 0. Donc la puissance, à R, la puissance à R est égale zéro 0. On la puissance DLT, t est l'action dial ressort, qui est égal à T scalaire V de M dans R, la vecteur, est égale. Donc, on a l'expression DLT. Il on il l'expression DLT, qui est le facteur DL2A cosinus theta sur 2 moins L moins cosinus, ainsi de suite. Donc, on a l'expression DLT, qui est la puissance scalaire scalaire, diel V, y a, a. theta point, selon le vecteur V. Donc déjà, U scalaire, V, l'a, à 0, et après, on seulement V scalaire, V, mais a l'expression. Donc, c'est K facteur diel A, theta point, facteur diel 2A, cosinus diel theta sur 2, moins L, fois sinus de sur 2. Voilà, a theta pour la déjà de Donc, il y a la puissance de l'teta. Nous allons simplifier P de t égale. Je développe par le cas où c'est k a theta point fois 2a, c'est-à-dire 2 de au carré cosinus de theta sur 2 sinus de sur 2 moins moins L, il y en a K, A, theta point L, sinus, del theta sur 2. Or, had a l'expression, cosinus theta sur 2, fois sinus theta sur 2, alors déjà, on l'exercice, il y 1 sur 2, diel sinus, diel theta. Parce que sinus, del theta, il y en a deux fois, l'expression, 2, fois l'expression, il y en a un demi, donc, je simplifie par je simplifie par 2. Donc, à P de T est égal à K A carré theta point K A carré theta point, plus sinus sinus de theta moins K A theta point L sinus delta theta sur 2. C'est-à-dire la puissance delta T. La puissance totale de forces extérieures est égale à la puissance de LP plus T plus R. Et on y en a, les puissances. Donc la puissance de L c'est moins MGA. G un point sur le C moins, moins M. Moins M G A point sinus d'Ial theta plus l'expression k a au carré theta point sinus de theta sinus de theta moins k a theta point l sinus d'Ial theta sur 2. Donc, on a, je peux factoriser par theta point sinus theta. Donc, à cela, k a, on a au carré moins m g a facteur d'Ial theta point Sinus, dial teta k a l Theta point, sinus, dial teta sur 2. Il y a la puissance, dial les forces extérieures. Le cas, il faut maintenant, si les forces dérivent de l'énergie potentielle, la puissance, dial les forces extérieures, n'est que moins D2EP sur D2T. Donc, à il, y t, ça, il y a de l'expression, il y a moins d2EP sur dt, qu'est-ce que dire de l'expression Donc, d2EP sur d2t est égal à l'énergie multipliée par un moins, donc moins Ka au carré moins mg theta point sinus d'il-theta plus l'énergie multipliée par le moins KaL teta point sinus dial teta sur 2. J'intégre la relation binciple t, donc j'obtiens E P, à une constante, donc c'est moins ka au carré moins mgA. Donc l'intégrale dial teta point sinus dial teta, l'intégrale dial sinus à y a, euh, moins le cosinus avec Adlomoral à un plus donc c'est cosinus de θ. Faites attention, la dernière, la dérivée. La dérivée d sur d de t, il y a la dérivée par rapport à t, a le cosinus theta est égal d sur d de t sur d de t dial theta. Il y a θ point fois la dérivée dial cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc sinus de θ ou had deducer sur deducer, n'est que moins teta point sinus, diel teta, même euh, l'expression, elle est teta point sinus, teta, avec un moins. Tout le la primitive diel teta point sinus teta sur 2, c'est moins, la primitive diel sinus, c'est moins cosinus, donc, donc moins, ou on a dire 2 tout d'abord, la dérivée diel teta sur 2, rattrapé 1 sur 2, donc 2, k, a, l, a cosinus, dLθ sur 2 donc là, on a la dérivée d sur d2t dL cosinus dLθ sur 2 est égale d sur d2θ dL cosinus dLθ sur 2 fois d2θ sur d2t c'est l'expression l'expétant c'est la dérivée dL cosinus c- moins, par rapport à dθ c- moins 1 sur 2 sinus sinθ sur 2 fois cet point. d'avoir l'expression liée exactement avec un moins, la charge de tena un moins. Et plus une constante, bien sûr. Donc, il y l'énergie potentielle, le résultat final. Maintenant, quatrièmement, dans cette question, on se place dans le cas particulier. L, dans la l est égal à la racine de trois facteurs dl 1 moins mg sur k avec a supérieur à mg sur k. En utilisant la question précédente, montrer qu'il existe trois positions d'équilibre que l'on précisera clairement. Quatrièmement, les positions d'équilibre. L'équilibre. Je suis que l'équilibre, c'est la dérivée par rapport à l'énergie potentielle, euh, potentielle dépend seulement de θ. L'énergie potentielle par rapport à θ est égale à 0. Donc je dérive de l'énergie potentielle. Donc, D, e p sur D de Theta est égal. Donc, à distribution constante, KA au carré moins MGA. La dérivée dial le cosinus, c'est, la dérivée le cosinus, c'est moins sinus, donc on dirait moins là. Sinus, l Theta. Maintenant, je dérive, ce n est pas, je ne dérive pas par rapport au temps, mais je dérive par rapport au θ seulement. Donc, ma moins, la dérivée le cosinus, on a, il y a moins sinus. Donc, on va dire un plus un demi tout d'abord, donc 2 m'a 2 ratemché. On a 4 k à fond. A l, a sinus, il y sur 2. L'équilibre, euh, la dérivée pour θ équilibre. Pour θ équilibre, est, euh, la dérivée, ça va en 0. Donc, maintenant je peux factoriser par A, on va prendre le moins. Donc, on a A facteur, d MG moins KA facteur, sinus de θ plus KA. Alors, je peux factoriser par A. Donc, KL sinus de Theta sur 2 est égal à 0. Bien sûr, A est différent de 0, donc on a l'expression qui est égal à 0. Donc, MG moins KA sinus de θ plus KL sinus de l theta sur 2 est égal à 0. Or, on sait que sinus de theta n'est que 2 sinus de theta sur 2 cosinus de theta sur 2. Donc, l'expression devient donc MG moins KA facteur di 2. Sinus de θ sur 2. Cosinus de θ sur 2. Plus KL. Sinus de θ sur 2 est égal à 0. Et là, j'en ai l'exercice. on a K. Donc, on a L qui est égal à la racine de 3 facteurs. A moins MG sur K. Donc, on a K qui est égal ou la l qui est égal à la racine de l3 il y a l donc maintenant l'expression on peut déduire on peut déduire que KL, donc en a de marcan est égal à l est égal à la racine de 3 on a k à moins mg sur k donc k fois l c'est-à-dire oui, Racine del 3 facteur dial moins Mg. Donc, l'expression devient, là, je peux factoriser par sinus dialtas sur 2. Donc sinus, sinus DLt sur 2 facteur. dl 2 facteur dlmg- MG moins Ka. Plus fois, 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 cosinus, dial theta sur 2, plus, on a KL, c'est racine de 3, facteur dial KA moins mg, qui est égal à 0. Donc là, on a des ka moins mg, on a mg moins ka, donc mon quin factorisé bleu moins, donc sinus dial theta sur 2, facteur. Je peux factoriser directement par mg moins ka. Facteur, après on a 2 cosinus theta sur 2. On a un moins. L'énergie factorisée par mg moins ka. L'opposé, moins racine de 3 est égale 0. On a l'expression qui est différente de 0 parce que on a les données bien à a supérieur strictement à mg sur ka. Il y a a il est strictement supérieur à la mg, donc l'expression est nulle. Donc sinus theta sur 2 est égal à 0. Ou l'autre expression, le directement de cosinus di alθeta sur 2 est égal ou la qui de directement, cosinus theta sur 2 est égal à racine de 3 sur 2. Si je prends le cercle trigonométrique, donc l'axe il y a l'axe horizontal. Consinus de θ. On a sinus de θ. Donc, sinus est égal à 0. Sinus est égal à 0. Il y a les deux points. Mais, l'exercice, on a bien la theta, elle est strictement entre moins π sur 2 et π sur 2. Donc, la seule solution, on va avoir la solution, et il y a θ d'équilibre est égal à 0. Donc, 15 θ 1 pour distinguer les autres. Donc, cosinus θ sur 2 est égal à racine de 3 sur 2. Alnahdo racine de 3 sur 2. Il y a racine de 3 sur 2. Donc, le cosinus est égal à racine de 2. Racine de 3 sur 2. Il y a une, à l'angle, il y a pi sur 3. On a moins pi sur 3. Donc, la solution est la Theta de équilibre, ça moins pi sur 3. Et theta d'équilibre 3 est égal à pi sur 3. Donc finalement, on dit 3 positions d'équilibre. La première position, c'est qu que theta d'équilibre est égal à 0. La deuxième position, moins pi sur 3. La troisième position, pi sur 3. La question numéro 5 maintenant quelle est la nature de chacun de ces trois équilibres? Cinquièmement, nature la nature de l'équilibre pour chaque état d'équilibre. Donc pour cela on va calculer la dérivée deuxième. Donc il faut bien l'équilibre. Il la dérivée deuxième d'E P par rapport à la variable d 2 θ au carré supérieure strictement à 0. Donc pour cela on va calculer la dérivée deuxième. Donc on a déjà la dérivée première, on a déjà non d2EP sur d2 θ est égal genre la dérivée première. Donc là, il y a la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à θ. Nous les étapes. Nous l'expression plus simple. Donc, il y a la dérivée de l'énergie potentielle. Nous de la dérivée. Donc, il y a la dérivée. Maintenant, je dérive une autre fois. D carré d'EP de d'EP sur d2θ de carré est égal. C'est une constante, donc c'est mg moins kA facteur. Et là, on a le produit de deux fonctions. Donc, on dérive la dérivée tout d'abord de sinus theta sur 2 par rapport à theta. c. je dérive theta sur 2, c'est-à-dire 1,5. Ou la dérivée de sinus c'est cosinus. Donc, theta sur 2 facteur, il y a l'expression. Donc, 2 cosinus theta sur 2 moins racine de 3. Plus. Maintenant, je garde de la fonction, il y a sinus di sur 2, et je dérive à l'expression, donc déjà un d2 fois un demi-ià. La dérivée di cosinus, c'est moins sinus. Donc moins sinus de theta sur 2. La dérivée des racines racine de 3, c'est 0. Donc, c'est égal mg moins ka. Facteur. On a dit 1 demi fois 2, donc c'est cosinus au carré de theta sur 2, moins racine de 3 sur 2, cosinus de sur 2, moins sinus au carré de sur 2. Or, on sait que cosinus de L2θ est égal à cos carré de θ moins sinus carré de θ, c'est-à-dire que cosinus si je divise 2θ la 2, cosinus θ est égal à cosinus carré de θ sur 2, moins sinus carré de θ sur 2. Il y a l'expression moins sinus carré, réaténa, cosinus de θ. Donc, la dérivée deuxième d'EP. De par rapport à teta est égal à mg moins ka facteur de le cosinus cosinus de teta moins racine de 3 sur 2 cosinus de teta sur 2 et l'expression alors on peut le simplifier déjà expliqué mg et l'ajanna libidé na mg moins ka moins ka L sur racine de delta. Moins, donc, mon kin moins, moins, k L sur racine de delta, facteur de cosinus de theta, moins racine de 3 sur 2, cosinus de theta sur 2. Et ça, oui, on va faire le moins, on va faire le de racine, donc, c'est k L. 1 le moins, on a 1,5 cosinus de θ sur 2, moins, moins, donc on a 1 sur racine de 3 cosinus de θ. C'est l'expression finale de le, la dérivée deuxième de EP par rapport à θ. Maintenant, pour les trois positions d'équilibre, dans θ1, équilibre. Les 4 0. Toma, theta 2 équilibre les 4 moins pi sur 3. Toma, theta 3 d'équilibre les 4 pi sur 3. Donc, le cas, la canal bien là, le cosinus l 0 c'est 1. Donc, d carré d'il e, sur de theta carré, fait de carré, theta est égal à 0, et à a, donc on a, cosinus, on a cosinus, on a cosinus de 0, il y a 1, donc KL facteur de demi moins cosinus de 0, c'est 1, donc 1 sur racine de 3. Et on a même calculatrice, on a l'expression, il est inférieur strictement à 0, donc L'équilibre et la position d'équilibre représente un équilibre instable. Concernant les deux, de nous avons cosinus cosinus, nous cosinus c'est une fonction impaire, donc les deux positions d'équilibre, le cosinus de pi sur 3 est égal au cosinus le moins p sur 3, et on ira une seule fois. Et on va là le même résultat. Donc, les dérivée deuxième de l'EP par rapport au theta carré est égale KL KL facteur de l'expression 1 demi le cosinus le cosinus diel est l'antenne sur plus sur 3. Tous les liens sur 6. Le cosinus diel plus sur 6, 6 c'est racine de 3 sur 2. Fois racine de 3 sur 2, moins 1 sur racine de 3. cosinus diel plus sur 3, il y a un euh, demi. Donc, moins 1 sur 2 racine de 3. On a mon kinasebo directement la calculatrice. Je me dis que le signe de l'expression, on peut simplifier. Donc, KL, ici, on a racine de 3 sur 4. Moi, on a je vais racine de 3. Donc, on a racine de 3 sur 6. Donc, il est égal à KL. Donc, on a 12. Donc, je a par 3. Ou 2 Donc 3-2 c'est 1. Donc c'est racine de 3. Quand la bienna est strictement positive. Donc nous avons que là, θ2 d'équilibre est égal moins pi sur 3. Moins pi sur 3. Et θ3 d'équilibre est égal à pi sur 3. sont des positions d'équilibre stables. Ce sont des positions d'équilibre stable. Maintenant, la question numéro 6, c'est écrire l'intégrale première de l'énergie en déduire une équation différentielle qui est reliée entre θ seconde et θ. Cinquièmement, l'énergie, l'intégrale première de l'énergie. Intégrale première de l'énergie. Nous l'énergie mécanique et le point M n'est que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle le point M. L'énergie potentielle a déjà calculée. L'énergie mécanique, il y a un demi M V de M dans le repère galiléen, le repère absolu RJ au carré. Plus l'énergie potentielle. Donc, la vitesse, ça là, déjà, on a calculé la vitesse. Donc, a la figure. C'est simple de calculer la vitesse. On a dans OM, on a OM, le rayon, y a A selon U, le vecteur U. Donc, la vitesse de M dans le repère RG est égale à. A. C'est point, un point selon le vecteur perpendiculaire à la V. J'ai déjà c'est bien. Donc la vitesse au carré, la vitesse au carré de M dans RG n'est que A au carré, c'est un point carré. Donc l'énergie mécanique, finalement, l'énergie mécanique de le point M n'est que 1,5 demi M à carré c'est un point carré plus l'énergie potentiel. L'énergie potentielle yasmina l'Ea, c'est l'énergie potentielle. Donc je prends l'énergie potentielle qui les Donc, est maximale à Donc l'énergie mécanique, ça va l'expression. Maintenant je dérive D de EM par rapport à D de T. Qui est égale à 0 parce que M est constante. L'énergie mécanique de système système est constante. Elle n'a seulement des forces conservatives. Le repère galiléen. Donc la dérivée de la constante, c'est M A au carré. La dérivée de la point carré, c'est 2. m 2 à la θ. point. Il 2 moins 1 à la theta point. Fois la dérivée de la point, il y a theta seconde. Plus K A au carré moins MG allée à constante. je peux factoriser par A. La dérivée idéale cosinus, tout d'abord, c'est point, Et là, je dérive tout d'abord θ. fois la dérivée idéale cosinus, la réaténant moins sinus. Donc, je mets un moins ici. Sinus, déltétat. Tout le monde, moins, il faut bien la dérivée idéale cosinus, la réaténant moins, mais un moins, la un plus. Donc, c'est 2, k, l, fois la dérivée idéale θ sur 2 par rapport au temps, c'est point sur 2. Fois sinus. de Sur 2. est égal à 0. On a mon clean par A. Tout le monde, je simplifie ici par A. Je peux factoriser par A. Tout le monde, je simplifie ici par A. Je simplifie par 2. Donc, finalement, l'équation. C'est M. Je peux simplifier aussi par theta point. Donc, on a M, A. Theta seconde plus un amour qui est le moins, plus il y en MG, moi, a un amour qui est le moins, moins Ka sinus de Theta toma, plus KL sinus de Theta sur 2 est égal à 0. A, il y a la fonction F qui est reliée entre θ seconde, mais Theta est égal à 0. Donc, à d'avoir le résultat final. Maintenant, la dernière question. Vous trouvez neuf équations, mais en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Septièmement, même équation par théorème de l'énergie à fois par du moment cinétique. théorème du moment cinétique. La dérivée de le moment par rapport à un point de M par rapport à le temps dans le repère RG est égal le moment par rapport à le même point de les forces extérieures. Seulement, les y a un repère absolue. le cas de repère relative le moment de la force d'inertie de Coriolis et d'entraînement. Tout d'abord, l'aspect de le moment par rapport au DLM, de est par définition par définition vecteur OM produit vectoriel de la quantité de mouvement de c'est-à-dire M V de M dans le repère RJ. Donc, dans OM on a déjà qu'on a, a OM est égal à Selon le vecteur U. Et V de M RG est égal à point selon V. Donc sigma d'LM d'LM dans le repère RG est égal au M et A, U produit vectoriel d'LM à point V. Donc la base des cartes mobiles c'est U, V et K. Donc, le produit vectoriel de UV est A. Donc, le moment finalement de l M par rapport au O est égal à M à carré θ point selon le vecteur K. Je dérive à le moment de M par rapport au temps, le repère RG Galiléen. Donc, K est constant dans RG. Donc, on a M à a carré à seconde, selon le vecteur natigel ou là maintenant les moments des forces extérieures donc le moment dlp par rapport au en de la figure donc déjà p, donc le moment dlp par définition c'est o p om fois vecteur position produit vectoriel dlp D'aiman OM c'est A, Adawa A, selon U, produit vectoriel DLP, Léa, MG, selon I, MG, selon I, les 4 A, U, produit vectoriel DLMG, I à la diarcine A, c'est cosinus à la U, cosinus d'à selon U, OI ma V, dans sens opposé, c'est-à-dire moins sinus, sinus Teta, selon V. Le produit vectoriel ma U, Donc, le moment d'ILP est égal à Mg, Mg, A de ma sinus d'ILT, avec un mois, les U, scalaire, OU, produit vectoriel, c produit vectoriel, V, R, donc N, K. Donc, il y a un mois d'ILP, le moment DLR, réaction d'ILR, cercle, là le point M, Vous savez, OM, produit vectoriel DLR, OM toujours CA selon U, produit vectoriel DLR, Attends, on a fait l'exercice, ben, R elle est selon U, donc U, produit vectoriel la tendance en 0. donc le moment DLR est nul le moment DLT. réaction DLH ressort. Le moment DLT par rapport au O est égal à OM produit vectoriel DLT. OM, c'est toujours A selon U. Produit vectoriel DLT. en se rejoint. La, question, la première question est la deuxième question. Alors, j'en ai la deuxième question. Déjà, on a déjà calculé T. Donc, je fais relais à t, il est déjà assimilé. Donc, le on le produit vectoriel. Le produit vectoriel U, R, U, R, 0. Et on va faire le produit vectoriel U, V. Donc, U, produit vectoriel V, R, R, 4. Donc, c'est A. Facteur, il l'expression. Nous avons cosinus dial alteta sur 2 moins L facteur dial de l'expression sinus dial sur 2 selon selon K d'avoir le moment dial O dial T par rapport au là j'ai oublié le K donc c'est A 2a cosinus station sur 2 moins l facteur de sinus station sur 2 u produit vectoriel d'el V à maintenant maintenant on le théorème du moment cinétique donc d d'el sigma d'el o de m sur d de t le repère r g le repère absolu égale le moment d'el f de, le moment d'el t plus le moment d'el p par rapport au plus le moment d'LR par rapport au head le moment là déjà est égal à 0 donc l'expression de la dérivée là déjà c'est m a carré teta seconde selon k donc m a carré teta seconde selon k plus à fois c égal t égal le moment d'LT l'est ouéda c'est a K, facteur diel 2A, cosinus diel sur 2, moins L, fois sinus diel sur 2, plus d'LP, le moment diel P, les O, moins MGA, sinus, dL3, moins, selon K, moins MGA, moins MGA, sinus theta, selon K, sinus, Theta selon K. Donc, alors cela, finalement, on a l'équation. MA carré theta seconde est égal à K facteur dial 2 a cosinus de theta sur 2 moins L fois sinus de theta sur 2 moins MGA sinus de Et là, Je peux simplifier par tout maintenant, Je développe donc MA theta seconde est égal K facteur de 2A cosinus de theta sur 2 fois sinus de theta sur 2 moins KL sinus de theta sur 2 moins MG sinus de theta. Donc là, je vais la parenthèse. Donc ici, facteur à aléades facat. Donc ma theta seconde est égal à sinus theta sur 2 fois cosinus teta sur 2. Avec 2 ratatina sinus dial teta. Donc c'est k, k a sinus de θ moins l'expression. K l monkins probe l'expression tout d'abord. Mg sinus. Theta moins KL sinus diale theta sur 2. Je peux factoriser par, par sinus de theta est égal KA moins MG sinus diale theta moins KL sinus diale theta sur 2. Donc finalement, donc mon connecte M a la seconde moins KA moins Mg sinus delta plus KL sinus delta sur 2 est égal à 0. Finalement, nous avons le moins donc 9. L'équation est là, c'est MA, donc MA, theta seconde plus a Mg moins KA, j'ai multiplié par le moins sinus delta, sinus delta plus KL.